Bonsoir tout le monde, bienvenue à Sortie de classe, l'émission incontournable en éducation, la seule. Nous sommes, non, c'est la seule émission. C'est cherchez-en pas, il n'y en a pas. Il n'y a même pas d'onglet éducation sur les sites d'information, là, Radio-Canada. Allez fouiller, il n'y a même pas d'onglet. Alors, nous sommes la vraie et la seule émission complètement dédiée à l'éducation et notre objectif. À sortie de classe, c'est de souligner, de mettre sous les projecteurs ce qui te fait. Ce qui se fait de bien en éducation, parce que savez-vous quoi? Il y a des fichues de belles affaires qui se passent dans nos écoles, dans nos milieux, et on ne le sait pas toujours. Il y a des petits trésors qui se trouvent dans chaque école. Et alors, nous, notre but, c'est de mettre sous les projecteurs des projets, des personnes, des directions, des conseils pédagogiques. Et on a aussi souvent des soirées thématiques, comme ce soir d'ailleurs. On va parler de l'enseignement à distance, puis je vais inviter immédiatement mon super co-animateur de la soirée et collaborateur assidu, Mathieu. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Pierre. Ça va bien? Ça va bien. Ça roule? Bien content de venir parler d'enseignement à distance. L'actualité ces temps-ci, encore une fois, puis ça a pris beaucoup de place dans les dernières années. Donc, bien content d'accueillir ce soir 4 invités super pertinentes. On va avoir Lily Mathieu, qui est une élève. On va avoir Joanne Proux, qui est une enseignante. Sonia Fizet, comme conseillère pédagogique. Puis Marie-Josée Goulet, comme professeure universitaire. Avant qu'on commence, j'ai un clin d'œil à faire à une enseignante de 6e année. Okay? Puis là, j'ai oublié de préparer mon partage d'écran. Donc, faites attention. Là, il va falloir que je retravaille ça. Là, mais juste une parenthèse, ça n'a même pas rapport avec l'enseignement à distance. J'ai vu ça tantôt. J'ai dit, est-ce que je peux présenter ce que tu as fait? Donc, elle a fait un projet en or. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Peux-tu me dire, Mathieu, si on voit? Oui, super. Donc, c'est un projet en or qu'elle a fait. Donc, c'est avec la pastel sèche. Et c'est les élèves ont des modèles avec les animaux. Et puis, c'est eux qui font ça du début à la fin du projet. Regarde ça comment c'est. Les élèves de 6e année. Des 6e année. Ils terminent avec le noir et le blanc ensuite pour faire de l'effet, là. Mais regarde ça comment c'est incroyable. Donc, c'était juste un petit clin d'œil là, que je voulais faire à cette enseignante-là qui s'appelle Geneviève. Geneviève Gagnon. Donc, petit clin d'œil en passant à Geneviève. J'ai vu ça tantôt, les élèves. J'ai dit, faut que je monte ça, c'est vraiment trop beau. Et enfin, ça met de la couleur dans notre printemps pluvieux. Mathieu, il neigeait tantôt. Ben oui, j'ai vu ça. C'est un peu surprenant, un 27 avril. Je commence à en avoir plein le... C'est ça. On a hâte qu'il fasse. Je veux pas qu'il fasse 40, mais on a hâte qu'il fasse au moins 20 là, pour être capable d'avoir un printemps qui a du bon sens. Et s'il y avait eu une vraie grosse tempête de neige, on aurait pu tomber en enseignement à distance. Donc, je pense qu'on commence à être prêt. Je pense que oui. Je pense que ça nous prenait un mur comme la pandémie pour nous faire arriver en disant écoute, il y a les technos. On était prêts technologiquement, je pense. Bien, ça dépend des CSS, ça dépend des écoles, ça dépend de l'intégration des technologies dans ces écoles-là, entre autres. Mais il y avait moyen de faire quelque chose à court et moyen terme, le fameux 13 mars, là. Ça, on va tout le temps s'en souvenir, là. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire. Disons que ça a été un passage un peu obligé, ça a fait appuyer sur l'accélérateur, ce qui aurait pu prendre normalement peut-être 10 ans à faire comme changement, ben là ça s'est fait, il y a eu de grands changements, beaucoup de formations qui ont été faites, donc encore des défis, hein, faut pas tout penser que c'est rose, on va en parler aussi ce soir, mais quand même il y a eu une grosse avancée, je crois, dans les deux dernières années. Et tout comme en temps de guerre... on développe énormément en temps de guerre. Hein? Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent. Nous autres, on travaille avec Teams. Le Teams du 13 mars 2000 quelque chose et le Teams d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On s'entend-tu qu'ils ont développé à vitesse grand V? Là, je parle de Teams, là, mais toutes les autres plateformes ont fait une avancée aussi. Écoute, Mathieu, sans plus tarder, on va passer à notre premier invité puis je te laisse la présenter tout de suite après ceci. Bonjour Lily Mathieu. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien et vous? Très bien, je te remercie de participer à l'émission Sortie de classe. Ben, merci de m'avoir invité vraiment. Ça fait plaisir. Donc c'est la première fois qu'on se parle. Tu m'as été référée par Joanne Proux, oui. Qui est ton enseignante.
Oui. Donc, on va l'avoir après ton entrevue, mais j'aimerais d'abord que tu commences à te présenter, dire t'es à quel niveau, puis que tu parles un petit peu peut-être après de ton expérience en lien avec l'enseignement à distance. Oui. OK. Bon, ben, je suis en secondaire 5. J'ai fait tout mon parcours secondaire à distance, en fait, parce que je joue au tennis d'un haut niveau quand même. Je fais de la compétition. Puis, j'étais appelée à voyager beaucoup. Puis, aussi, ma grande sœur a joué au tennis au niveau. Puis, elle a 4 ans de plus que moi. Fait que quand j'ai terminé mon primaire, ben, elle était vraiment appelée plus à voyager et tout. Puis, on a toujours fait ça en famille. OK. Fait que là, dans le fond, il fallait l'accompagner. Tu sais, je voulais l'accompagner en famille. Puis, ça marchait pas vraiment avec l'école en présentiel. Fait que j'ai tombé à distance. On parle de quand, à quel moment ça? Ça, c'est tout mon secondaire. Fait que la OK. transition primaire-secondaire, dans le fond, dès secondaire 1, j'ai commencé à distance. Donc, bien avant la pandémie, là, pour toi, c'était pas Ouais, nouveau, là, l'enseignement à distance, tu as connu ça avant. non. OK. Non, je suis habituée. Puis, eh bien, le problème, c'est qu'au Québec, c'était pas offert à distance. Ça commence juste secondaire 3. En tout cas, dans le temps, je sais pas, peut-être que ça a sûrement changé depuis. Mais secondaire 3, c'était vraiment, c'est là, à partir du moment que c'était disponible. Je sais pas si ça fait du sens, là. OK, oui. Ouais, fait que je suis allée faire l'école virtuelle avec l'Ontario. OK. Ouais, puis comme ça, j'ai pu, mais sinon, j'aurais pas pu faire l'école à distance. Est-ce que tu étais complètement à distance ou c'était, disons, tu étais quelques semaines à l'école, puis là, pendant que tu étais parti pour le sport, là, c'est à distance durant ce moment-là? Non, c'était vraiment complètement à distance. OK. Puis ma grande soeur aussi, fait que nous deux, on était complètement à distance. Puis ça nous permettait de voyager, de faire des compétitions vraiment en famille, là. OK. Puis qu'est-ce que tu as? Tu ne dois pas être la seule, dans le fond, qui a qui passe par ce parcours-là, disons, dans un sport élite ou par des choix familiaux, tout ça, Ouais. ça devient quelque chose comme c'est pas c'est, soit ça se fait à distance, soit il n'y en aura pas, là, disons, parce que ou à école à la maison, des fois, il y a Ouais. d'autres alternatives. Mais donc, toi, est-ce que le fait d'avoir vécu ça, là, tu sais, je comprends que un des avantages, c'est d'avoir été avec ta famille. Est-ce que tu as vu d'autres avantages en lien avec l'enseignement à distance? Oui, c'est sûr, ben ça m'a permis de vraiment pratiquer mon sport à un beaucoup plus haut niveau. Que si, premièrement, tu as beaucoup plus de temps pour t'entraîner, versus si tu vas à l'école en présentiel, ben là, c'est vraiment plus difficile consacrer autant de temps à ton sport. Fait que je dirais que c'est le plus gros avantage, puis aussi c'est que ça permet de voyager. Puis allez-y. Non, ben c'est super. Donc, et est-ce que ça, c'est les bons côtés, puis Ouais. si tu penses à d'autres aussi, tu peux aussi en ramener d'autres, mais j'imagine que c'était pas tout rose non plus. Il y a des fois que ça devait Non. aller moins bien. Quoi, par exemple? Ouais. Ben aussi un autre avantage par contre, c'est que je OK. dirais que tu as beaucoup plus de temps. Puis ça te permet aussi de développer peut-être d'autres intérêts. Mais ça, c'est plus secondaire 1 et 2. Puis là, à partir de secondaire 3, 4, 5, ça a vraiment été plus difficile. Juste, je devais consacrer énormément plus de temps dans mes études. Puis parce que justement, c'est difficile parce qu'être à distance, t'es pas nécessairement en classe. Ou est-ce que là, tu peux poser tes questions, puis tout, puis ça se fait beaucoup mieux. Là, mettons que tu as une question, ben souvent, il y a des délais, puis là, il faut un peu que tu fasses la recherche comme de ton côté. Fait que ça, c'était point de vue éducation. Les ressources n'étaient pas non plus aussi développées qu'aujourd'hui, comme vous disiez dans l'introduction avec la pandémie, ça a un peu forcé tout le principe d'éducation à distance, pardon. Mais c'est ça, dans le temps, ça, c'est un désavantage aussi. Juste, c'est plus difficile, puis il faut être motivé aussi. Puis j'imagine qu'il fallait que tu t'organises, hein, parce qu'on a pu le voir aussi, les enseignantes et enseignants qui ont enseigné depuis la pandémie, alors que c'était nouveau, on se retrouve à enseigner d'un jour à l'autre comme ça, à Ouais. distance. Et c'est un défi pour les enseignantes et enseignants, c'est un défi pour les élèves aussi, parce que ça demande un niveau d'autonomie. On n'est pas là comme enseignant à côté, à soutenir. Puis des fois, il y a plein de choses qu'on peut faire juste par un coup d'œil, par tout ça. Mais là, c'est pas la même chose. Quand tu as un écran sur Teams, sur Zoom, avec tous les élèves là, sur un écran. Donc, est-ce que toi, ça t'a demandé de t'organiser davantage? C'est quelque chose que tu avais déjà bien développé? Ouais, c'est sûr que oui. Par contre, j'avais aussi ma grande sœur qui le faisait avec moi, fait que
elle était plus vieille, puis elle pouvait, comme j'ai comme eu son exemple un peu de comment bien m'organiser et tout. Mais c'est vraiment, moi, dans le fond, la façon que ça fonctionnait, c'est pas en direct, mettons, sur Zoom avec une classe puis d'autres, d'autres élèves. C'est vraiment, tu fais ta propre horaire, dans le fond. OK. Puis, ouais, c'est ça. Tu fais complètement ta propre horaire. Tu le fais complètement indépendamment de, mettons, une classe. Ou... Puis si je te disais de compléter la phrase, là, de... Mm-hmm. Le fait d'avoir complété, d'avoir fait toutes tes études secondaires à distance plutôt qu'en présentiel, ouais. Quel qualificatif que tu dirais, là, est-ce que tes études étaient plus... quel qualificatif que tu emploierais? Plus difficile, okay. Mais en même temps, j'avais plus de temps à investir, mettons, quelque chose que pour moi, ça allait bien, mais je pouvais le compléter rapidement. Quelque chose qui était un peu plus difficile, ben là, je pouvais vraiment m'y mettre puis bien le comprendre. Puis je pense que je gradue probablement avec des meilleurs résultats de cette façon-là que si j'avais fait tout mon secondaire en présentiel. OK. Parce que tu peux vraiment te concentrer dans qu'est-ce que pour toi ça va moins bien. Par contre, ça prend une certaine autonomie, puis il faut vraiment que tu sois débrouillard pour aller, mettons, chercher. OK, bon, ben je comprends pas ça, je vais aller, mettons, sur Alloprof ou pour essayer de comprendre plus qu'est-ce qui se passe. Parce que là, toi, quand tu avais des questions, justement, tu parles d'Alloprof, là, qui est une ressource ouais. extraordinaire. Là, pour, ouais. On peut parler tous les soirs là, des plages horaires, on peut poser des questions. C'est des enseignants qui sont en ligne, qui répondent aux questions. Mm-hmm. Ils peuvent aller précisément dans « je suis en train de faire mon devoir » puis répondre à la question exacte ouais. que tu es en train de faire. Mais est-ce que tes enseignantes et enseignants aussi à distance, comment ça fonctionnait, là, la rétroaction, leur aide, répondre aux questions, comment ça fonctionnait? Mm-hmm. Ben, tu peux poser des questions. Ça dépend vraiment de l'enseignant ou de l'enseignante. Par contre, vu qu'il y en a, souvent, ça répond, mettons, dans un délai de 24 heures, mais des fois, c'est un peu plus long à avoir une réponse. Puis là, ben, ça paraît pas, mais quand tu fais un projet, puis il faut que tu attendes une journée, deux jours pour, mettons, avoir une réponse, ben, tu perds un peu le fil de tu étais rendu dans ton projet. Fait que c'est ça, pour moi, Alloprof, genre, je m'en ai vraiment servi beaucoup. OK. Puis, mais c'est ça, tu peux communiquer par courriel ou il y a, avec les... Moi, j'étais avec l'Académie des Estacades, puis il y a une messagerie plus un peu plus directe que courriel. Ça ressemble un peu à texto, là, mais un peu plus lent, on va dire. Puis, comme ça, tu peux bien communiquer. J'ai le goût de te demander, peut-être avant que Pierre embarque sur une question, mm-hmm. mais sur le plan social... Ouais. Est-ce qu'il y a eu une grosse différence par rapport au présentiel ou à distance là, avec tes amis? Oui, vraiment, parce que ben, le tennis, c'est un sport complètement individuel. Mm-hmm. Puis je m'entraîne, pas en groupe, je m'entraîne avec mon père, puis on fait notre propre petite affaire un peu. Mais je ne suis pas dans un sport-études ou rien. Fait que c'est sûr que sur le plan social, comme j'ai pas grand monde avec qui je peux me tenir qui sont dans une situation similaire à la mienne. Okay. Fait que c'est sûr que souvent, tu sais, je fais mon école tout seul dans ma chambre, là. Fait que ça peut être lourd un peu. OK, OK. Mm. Alors, en tout cas, moi, je te félicite, Lily. Là. Je trouve ça super. Puis je te souhaite plein de succès au tennis et dans tes études et tout ça. Là, mais je trouve ça beau, en fait, d'avoir des jeunes comme toi qu'on ajoute peut-être un défi supplémentaire, hein, parce qu'on l'a dit, c'est pas toujours facile l'enseignement à distance. Mais tu trouves, t'as trouvé des moyens, en fait, pour que ça fonctionne. Donc, félicitations. Merci. Hey Lily, je connais pas mal la réponse, mais j'ai le goût de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu crois que, parce que là, on a eu une pandémie, là, puis on a comme été obligé d'être dans notre salon, puis de faire des Zooms et compagnie, là. Est-ce que tu penses que tous les élèves peuvent réussir à distance? Ça dépend vraiment de l'encadrement. En fait, je pense qu'il faut vraiment être certains élèves, il faut être très encadré. Moi, j'ai souvent eu quand même une facilité avec mon école. J'ai pas vraiment de réponse claire, là. Mais, elle pas simple, c'est une question qui tue que Pierre te demande là, puis on pourrait même dire, parce que ça serait tout à fait équitable aussi de poser la question à la présence. Est-ce que tu penses que tous les élèves réussiraient en présence? Ben, honnêtement, les deux questions que vous m'avez posées, j'aurais tendance à dire non. Il y en a pour qui, à distance, c'est juste pas...
l'autonomie, puis d'être souvent seul à faire ses propres affaires. Il y en a qui préfèrent plus une interaction comme en direct, on va dire, versus en présentiel, ben il y en a qui, mettons, c'est trop être assis 8 heures dans une classe à journée longue. Fait que ça dépend vraiment de la personnalité, mais j'ai déjà côtoyé des gens qui disaient « Ah, oh, je serais jamais capable de faire ça, l'école à distance, évidemment, c'était avant la pandémie, là. » Mais, ouais, autrement dit, « Ah, oh, c'est pas pour eux. Puis... » Mais ça dépend aussi. Faire l'école à distance, mettons, juste une année versus le faire pendant 50 ans, c'est vraiment différent. Fait. Pendant tout le secondaire, je crois pas que tout le monde pourrait le faire. Même moi, qui est quand même autonome, on va dire, là, je commence à trouver ça long un peu, là. Mais je pose la question parce que c'est comme si on prenait pour acquis que pour changer de modalité d'enseignement, il faudrait que tout le monde réussisse. Il faudrait que ça soit absolument mieux, alors que, en tout cas, dans le temps de pandémie, c'était l'enseignement à distance ou c'était rien, justement. Donc, est-ce que c'était mieux? Est-ce que c'était moins bien? C'était forcément différent, en tout cas, ça, c'est certain. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça fasse des miracles. C'était une mesure d'urgence. Donc, mais dans ton cas, en fait, c'est pas une mesure d'urgence. Là, c'est quelque chose... C'est un choix puis, qui existe depuis longtemps. Pour beaucoup de gens, c'est nouveau, l'enseignement à distance, mais ça existe depuis longtemps, en fait. Là. Ouais. Ben c'est ça, en fait, que j'ai écrit dans la publicité de l'émission de ce soir. Ouais. On pense que la formation à distance est arrivée avec la pandémie, mais ça fait un ciboulette de boue que ça existe. Moi, je pense à mon ami René Bélanger qui est au cégep de Matane, je vais finir par le dire, le cégep de Matane. Enfin, Thibault, qui taponne, lui, là, sur la formation à distance, là, les régions éloignées et compagnie, ils en ont besoin de ça. Hey, Lily, je te souhaite tout le bonheur et le succès que tu mérites. En fait, tout le monde mérite du succès et du bonheur. Alors, je te souhaite tout ça. Merci d'avoir été avec nous. T'avais-tu une dernière question, Mathieu? Je te félicite encore une fois, puis je te remercie vraiment d'avoir participé à l'émission. Ben, merci beaucoup, puis merci à vous, là, ça me fait vraiment plaisir. Ben merci. Puis si tu gagnes des médailles, des championnats et compagnie, si tu veux venir nous en parler, comme je dis à chaque fois, nous autres, on a des cartes chouchous à toutes les semaines. Donc, tu ne te gênes pas, tu nous fais signe, puis on t'invite. C'est bon. Ben merci beaucoup. Merci, Lily. Bye-bye. Merci à vous. Bye. La jeunesse, droit devant. Mmh. On s'entend là que ceux et celles qui disent que la jeunesse, ils parlent juste yo, LMNOP, on s'entend que c'est ça, ils l'ont. Ah, c'est inspirant de voir des élèves comme ça là, qui sont des brouillards autonomes, qui savent ce qu'ils veulent faire, qui prennent les moyens aussi, malgré les embûches, puis qui font preuve de résilience et tout ça. Là, moi, je trouve ça... c'est sa passion, le tennis, puis elle fait ce qu'il faut pour dire ben, « je veux faire du tennis, mais je veux aussi apprendre », puis elle se concentre aussi sur ses études. Donc, ces athlètes d'élite-là, on va appeler ça comme ça, font des choix qui sont vraiment pas faciles parce qu'elle passe à côté de certaines soirées d'amis. Oui. On s'entend là-dessus, là, qu'il y a des soirées d'amis, je suis pas mal sûr qu'elle aurait aimé ça être là au lieu d'être dans ses cahiers puis faire la valeur absolue, là, on s'entend. c'est vrai. Mais en tout cas, je lève mon chapeau à ces gens-là. Discipline, sont incroyables. Alors, chapeau encore à Lily. J'ai oublié, Mathieu, avant de passer à notre prochaine invitée, qui est Joanne, qui est une enseignante, j'ai oublié de faire nos petites annonces qu'on fait d'habitude. N'oubliez pas que vous pouvez toujours poser des questions. Donc, ceux et celles qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions, faire des commentaires, vous ne vous gênez pas. Alors, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, ce soir, on est aussi sur Twitter, donc sur mon compte Twitter directement. C'est un test que je fais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, on prend tous les moyens, évidemment, là, pour se faire connaître. Donc, ne vous gênez pas de commenter, donc soit sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui veulent voir et revoir l'émission, donc ludoka.ca/sortie de classe. Et nous sommes aussi en balado, donc Spotify et compagnie. Là. Mais il faut faire attention, il faut chercher Pierre qui roule. Ça, c'est le premier podcast que moi, j'avais fait il y a quelques années. Et j'ai continué à mettre ça sur Pierre qui roule. Donc, vous cherchez Pierre qui roule. Et comme Sonia, donc une invitée qu'on a ce soir, vous pouvez nous écouter en cas d'insomnie ou dans le trafic. Donc, gênez-vous pas pour nous écouter. Oui, parce qu'on parle là, d'une trentaine d'émissions déjà. Là, pour les personnes qui ne connaissent pas l'émission de sortie de classe, c'est la première fois. Là, on parle de... C'est la troisième saison. On a une trentaine d'émissions là, déjà. Là. On a,
On a du stock, là. Ceux et celles qui pensent qu'on n'a pas de... Non, on a du stock, là. On a du matériel, comme on dit, là. Puis pas boboche, merci, là. C'est solide, les invités qu'on a depuis le début. Merci, Mathieu, d'ailleurs, de nous aider. Et je suis aussi sur TikTok. Je suis un TikToker, mais je ne danse pas comme font d'autres. Non, je ne danse pas. Je parle d'éducation, évidemment. Et puis, j'essaie de répondre à des gens, puis donner des trucs, des stratégies à des jeunes qui veulent aller plus loin. Alors voilà, et on continue avec notre prochain invité. Mathieu, je te laisse. Donc, il faut juste que je paye sur le bon bouton, là, après ceci. Voilà, à tantôt. Bonjour, Joanne. Bonjour, Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Bienvenue à Sortie de classe. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Donc, Joanne, tu es enseignante aussi à l'Académie des Stacades. Donc, exact. Lily est ton élève. Donc, est-ce que tu veux te présenter un petit peu d'abord? Alors, oui, mon nom, c'est Joanne Proulx. Je suis enseignante à l'Académie des Stacades en sciences en secondaire 3 et 4. J'ai la chance d'enseigner à Lily. En passant, je ne sais pas si elle est encore là, mais je la félicite. C'est le fun d'enseigner à des jeunes passionnés comme ça. On a une belle génération qui ont des rêves, puis c'est le fun de les accompagner dans leurs rêves puis dans leur passion. Donc, oui, tout à fait, je partage tout à fait ton point de vue. Et là, est-ce que c'est une école particulière, l'Académie des Estacades? C'est quoi la réalité de votre école, en fait? Notre école, on est à Trois-Rivières, on a environ 2000 élèves. Sur les 2000 élèves, on a environ la moitié, 1000 élèves qui ont choisi d'être en sport-études. Sur les 1000 élèves qui ont choisi d'être en sport-études, la plupart de ces élèves-là ont des cours le matin, puis ils s'entraînent à l'Académie des Estacades, mais ils suivent des cours en classe physiquement. Cependant, on a comme une cohorte d'élite. Dont fait partie Lily, qui ne viennent pas du tout à l'Académie des Estacades depuis un certain temps. En premier, on leur faisait faire une visite à Trois-Rivières pour des raisons, créer des liens avec les enseignants, avec d'autres élèves, mais pour plusieurs, ça ne fonctionnait pas, ils ne pouvaient pas venir à Trois-Rivières. Alors, ils sont 100% à distance. Ils ont tous leurs cours. À partir, on a décidé de commencer en troisième secondaire. On n'offre pas le secondaire 1 et 2. C'est un choix. On trouve que à partir du deuxième cycle, ils ont 14 ans. Avant ça, on les trouve un peu jeunes. Fait qu'on a décidé de commencer à partir de 14 ans. Ils font leur secondaire 3, 4, 5 à distance dans toutes les matières. Ils passent exactement les mêmes examens ou le même calibre d'examen que nos élèves réguliers. Puis bien sûr, ils passent les mêmes examens, les examens du ministère à sanction, la même chose. Donc toi, quand tu enseignes à Lily, là, tu la vois quelques fois par semaine? Comment ça fonctionne? La façon que ça fonctionne, c'est que j'enseigne à temps plein ou presque à des élèves en classe, mais j'ai un groupe de 25 élèves qui sont 100% à distance. Fait que dans le jour, j'enseigne et j'ai monté, il y a quelques années, un cours sur une plateforme qui s'appelle Moodle. Okay. Fait que dans ce cours-là, ben, il y a des exercices, il y a des cahiers de notes, il y a des vidéos. Souvent, j'ai fait des vidéos sur les parties de matière que je crois que les élèves ne comprendront pas. Puis dans ces vidéos-là, ben, j'essaye de mettre ma petite face pour essayer de créer un lien avec mes élèves parce qu'ils sont tout seuls souvent. Puis le lien avec les élèves et le lien avec les parents, un climat de bienveillance, c'est super important pour aider ces élèves-là. Fait que c'est ça, j'ai bâti un cours. Puis comme Lily vous expliquait tantôt, on a comme un genre de petit, dans notre plateforme, comme un genre de petit coin de texto. Fait que quand je finis ma journée à 4 heures, ben, je vais lire les questions de mes élèves. Okay. Puis là, ben, les questions des élèves, s'ils veulent une réponse rapidement, puis je suis capable parce que j'ai une disponibilité dans ma journée le lendemain, ben, on se donne un rendez-vous. Puis là, c'est ça, je fais les numéros devant eux autres, je réponds à leurs questions, mais je prends le temps de demander à mes élèves comment ça va, comment ça a été les compétitions, etc. Parce que des fois, ben, bon, ils ont une compétition, ils ont trouvé ça plus difficile, ben, des fois, on change l'échéancier, toujours pour la bienveillance, pour s'assurer qu'ils ont du plaisir, puis que cette façon d'enseigner-là
va correspondre à leur réalité. Quand ils ont été à une compétition, puis qu'ils se sont entraînés, puis ils sont morts, ben c'est sûr qu'ils sont moins portés à faire des parties de matière qui sont difficiles. Enfin, c'est ce que Lily vous expliquait tantôt. Fait que Lily, si elle sait que, ou tous les élèves là, qui sont à l'Académie des Estacades dans la compétition, s'ils savent que, bon, ils s'en vont en compétition pendant un mois, ben des fois, ils accélèrent avant de partir pour leur compétition. Ou c'est le contraire, ils font un blitz en revenant. Ou des fois, ils disent, bon, ben pendant ma compétition, je vais avoir des trous, mais je vais faire les parties de matière que je trouve faciles. Fait qu'on réajuste les horaires en conséquence de leur réalité. Et là, Joanne, tu as dit quelque chose de super important, je trouve, là, parce que une enseignante ou un enseignant qui enseigne à distance, là, ce n'est pas que déposer justement des exercices ou des vidéos. Tu as parlé de lien avec les élèves. Là. On s'entend que ça, c'est important parce qu'elle l'a dit elle-même tantôt, Lydie. Là, ça fait 5 ans, puis des fois, je trouve ça difficile, je suis un peu isolé, tout ça, malgré la motivation, malgré l'autonomie, à un moment donné. Et ce qui peut faire la différence, c'est de dire, ben, je le fais, mais parce que j'ai un lien avec ma professeure, Mme Prou, puis je sais que si j'ai des questions, elle va être là pour m'aider, elle va s'informer, elle va m'accompagner dans mes difficultés. Donc ça, là, c'est quelque chose de super important, là, qu'il ne faut pas négliger, là, le lien, là. Puis ça, je vous dirais qu'on a une équipe extraordinaire, là. Le lien, on a un lien avec nos élèves, puis moi, souvent, je me fais un devoir. Quand mes élèves me disent, bon, ben Joanne, je m'en vais en compétition, je pars de telle date à telle date, bien, quand ils ont fini leur compétition, j'envoie un courriel. Peux-tu me donner des nouvelles? Comment ça a été ta compétition? Pour savoir dans quel état d'esprit ils sont. Mm-hmm. Fait que si, bon, par exemple, ils se sont blessés, ben des fois, je vais leur faire des suggestions pour changer un peu le mal de place, mettre de l'humour, etc. Mais on a une équipe extraordinaire aussi à l'Académie. Tous les professeurs qui sont dans Moodle font ça. Puis on a aussi des coordinateurs. On a M. Guy Gervais puis Mme Annie Roy qui s'occupent justement de... Ah, mon Dieu, je les connais bien en plus, des bonnes personnes. Oui. qui, dans le fond, ils font le lien avec les élèves parce que des fois, si un élève veut communiquer avec moi, mais je suis en train d'enseigner, bien, il passe par Annie ou par Guy. Okay. Ou si des fois, il y a des parents qui disent, bon, ben mon enfant, il a fait une compétition, mais il s'est classé, puis là, ben il est encore parti pour deux semaines. Pourriez-vous aviser les professeurs qu'on recule l'échéancier? Bien, on a des coordinateurs qui font ça, qui font vraiment un travail extraordinaire là-dessus. Mais tu dis, Mathieu, au-delà de mettre la matière, il y a vraiment tout le côté bienveillance avec les élèves qui est hyper important. Puis je vous dirais que là, on commence à travailler beaucoup la collaboration, mais on ne sait pas trop comment mettre ça en place. Parce que justement, il y a des élèves qui sont tout seuls. Des fois, on essaie de leur faire faire des travaux d'équipe par Internet avec les Google Docs et tout ça, là, mais c'est vraiment pas le même rôle. Je suis pas vraiment un pédagogue qui transmet de la matière. Moi, je me trouve plus, puis tous les enseignants, on est comme ça, on est plus des accompagnateurs. Puis comme Lily disait, vu que je commence à enseigner à des élèves qui ont 14 ans, bien, il y a le côté discipline, encadrement, déterminer ses méthodes de travail, t'es qui comme apprenant, comment ça va, comment tu performes bien quand tu fais des résumés, est-ce que tu aimes mieux faire des résumés papier, des résumés vidéo, des résumés en dessin, fait qu'on les accompagne beaucoup pour qu'ils se découvrent et qu'ils se mettent en place. Là. Puis, on a vu passer un commentaire d'une fidèle auditrice, là, Gisela, là, qui a dit « Wow, faire attention à la santé mentale des élèves », parce que, tu sais, le lien, là, je reviens encore là-dessus, là, parce que on le sait que c'est important en présence. Hein, que oui. Quand on enseigne en présence, on le sait que c'est important. Et là, quand on tombe à distance, on peut avoir l'impression, surtout quand on se revire du jour au lendemain, OK, on pense à nos apprentissages, puis nos contenus, puis le programme, puis tout ça. Mais il ne faut surtout pas négliger tout le côté émotif, le côté le lien, sinon, il n'y en a juste pas d'apprentissage, en fait. Là. Donc, Exactement. Exactement, puis je te dirais, le lien, ça va au-delà. Je te dirais que c'est hyper important d'avoir un bon lien puis de créer une confiance avec les élèves parce qu'à un moment donné, il faut les évaluer. Mm-hmm. Puis t'es qui si tu le connais pas, cet élève-là, pour l'évaluer? Fait qu'il y a un côté hyper important là-dedans. Puis quand on évalue les élèves, ben on se fait un devoir de leur expliquer que dans leurs travaux, il y a ça qui va bien. Puis c'est pas des bravo, tu es bon, tu as réussi à faire ça, tu maîtrises telle affaire, je te recommande de retravailler cette partie-là pour telle raison. Voici les critères,
Fait qu'on, on met des messages personnels à nos élèves pour qu'ils sentent qu'ils sont importants, qu'ils sont une personne pour nous. Et ça, c'est quelque chose de particulier pour toi, pour l'évaluation en lien avec l'enseignement à distance? C'est quelque chose que tu t'accordes une attention particulière parce que c'est à distance? OK. Oui, parce que faut les accompagner, puis on a comme une intention pédagogique, on a des critères à vérifier, puis il faut vraiment les amener au secondaire suivant, au niveau supérieur. Fait que tranquillement, on leur fait des commentaires sur ce qui va, bien précis, là, pas des bravos continus, là, ton texte est bien rédigé pour telle raison, tu maîtrises telle affaire, je te recommande. Puis Lily, là, elle attendait même pas mes commentaires. Elle m'envoyait des courriels, puis elle disait, Joanne, je suis un petit peu déçue, là, de mon prochain, là, peux-tu me dire, ah, sérieux, c'est vrai, là, c'est des élites, hein, ils sont en compétition. Je ne comprends rien que je vous amène, Lily. Aménard! Je l'admire, c'est tellement beau de voir la génération. Les jeunes sont passionnés, ils ont des rêves. Puis tu sais, on parle de Lily qui a été tout le temps à distance, mais on a enseigné à Samuel Montembeau. Puis Samuel Montembeau, ben lui, c'est parce qu'il partait des fois à la JMQ parce qu'il voulait se classer comme gardien de but, etc. Mais quand il partait un mois de temps, là, on lui donnait le matériel pour faire. Fait que, mais lui, il revenait sporadiquement à l'école. Mais ça répond à un besoin de certains élèves qui ont des buts et des rêves. On est là pour les accompagner. C'est vraiment ça. Bien, c'est super. Je veux juste dire quelque chose, par exemple. On parle de Lily, là, mais moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce qu'il a fallu que je me forme, hein? Parce que comment monter une plateforme Moodle, là, ça ne va pas du tout. Fait qu'il y a du monde extraordinaire qui travaille là-dedans, puis elle s'appelle Sonia Fizet et toute l'équipe du récit, et toute l'équipe. Puis je me suis moi-même auto-formée à distance. J'ai pas eu le choix. Parce que suivre des cours de ça, il n'y en avait pas tant que ça. Puis me faire une tête, comment faire une bonne rétroaction, comment créer un lien avec mes élèves, comment mettre des vidéos de qualité. J'ai été suivre des auto-formations. Puis là, je vais laisser la parole à Sonia parce que c'est elle va pouvoir vous expliquer tout le beau matériel qu'ils nous ont mis, qui nous aide aussi. On est vraiment une grosse équipe là-dedans. Joanne, moi, il y a quelque chose que tu as dit, puis justement, là, Gisela en parlait tantôt, la santé mentale. Tu sais, quand j'enseignais en classe, je n'ai pas enseigné à distance, mais avec la pandémie, oui, mais tu sais, quand on voit arriver nos élèves, on voit leurs yeux, tu sais. Oui. Et ça dit beaucoup sur la journée qu'on va passer, tu sais, ou la période. Ça dépend ce que tu es au secondaire. Mais moi, là, je les voyais arriver, là, puis bon, j'avais une petite routine du matin qui était assez relaxe, tu sais, parce que j'avais besoin de 3 gorgées de café avant de commencer. Alors, je me donnais le temps, mais je me donnais surtout le temps de regarder mes élèves puis dire « Oh, boboy, de boboy, pas sûr qu'on va voir les fractions équivalentes aujourd'hui. » C'est ça. Pas certain qu'on va voir le pluriel des noms. En tout cas, ben, tu sais, il va falloir que je m'ajuste parce que, bon, il y a une tempête dehors, n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, je voyais mes élèves, mais là, tu les vois pas. Ils vivent des choses, tu le sens pas. Tu sais, quand tu les vois tous les jours, tu fais comme « Oh, viens ici, toi, là. Oh, que tu rentres pas dans ma classe à marcher de même, ma grande. Viens ici, on va jaser tout de suite. » Tu sais, t'as le temps de... Mais là, à distance, aïe, comment tu crées le lien que tu sais, tu en as parlé tantôt, mais écoute, il faut que tu prennes du temps et que tu aies une empathie, une compassion, une bienveillance à travers les fils des internets, même quand il n'y a pas de fil, tu sais, comment, non, mais tu sais, je veux dire. Ben moi, je vous dirais, parce que vous êtes des enseignants, vous le savez, on dirait qu'on a comme un sixième sens à jaser avec les élèves. On sent quand il y a quelque chose qui ne va pas, puis on questionne. Bon, quand vous êtes enseignant, vous le voyez visuellement. Moi, je vais par la communication beaucoup. Puis c'est niaiseux, mais des fois, je mets des emojis. Genre, je suis inquiète. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Puis là, ben, j'ai mon petit emoji avec mon point d'interrogation. J'essaie de mettre l'émotion à travers le texte et les images. Souvent, les élèves, ils finissent qu'ils nous le disent. Oui, j'ai eu une compétition. Tu veux-tu qu'on en parle? Fait que des fois, on se donne un rendez-vous puis on s'en parle. Ou des fois, c'est fini par texto. Mais oui, effectivement. Puis c'est là, tu le dis, Pierre, puis c'est là que, un peu comme toi, tu me parlais,
Si l'élève il me dit j'ai vraiment eu une mauvaise compétition, puis je suis découragée, puis fait que là, mais garde, va donc faire, là, je le sais que toi, t'aimes, par exemple, la biologie du corps humain. Saute telle partie, là, puis va me faire ça. Puis là, les résultats sont meilleurs parce que c'est une partie qui les intéresse. Mm-hmm. Fait que là, là, je les remotive. Yes, t'es là, puis t'es une gagnante. Puis c'est vraiment ça, Pierre. Mais sauf qu'au lieu de le faire en classe, bien, on le fait pas verbalement, on le fait par écrit. Puis c'est en jasant avec les élèves par écrit. Puis c'est avec les émoticônes. Pour ça, moi, pour vrai, je lève mon chapeau à toutes les enseignantes, tous les enseignants qui ont... qui sont relevés les manches, puis qui ont dit, bon, mais c'est pas le scénario idéal, là, mais on va le faire pour les élèves. Puis je lève mon chapeau aussi aux élèves qui ont dit, qui ont été résilients là-dedans, puis qui ont dit, regarde, moi non plus, là, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on s'en va avec ça, mais on va embarquer. Puis ça a été difficile pour beaucoup, autant d'enseignants que d'élèves, mais moi, je tiens vraiment à féliciter tous les intervenants scolaires, puis les gens qui ont participé, là, parce que c'était tout un défi. Oui, et dans la pandémie, on en parlera sûrement tantôt, là, tu sais, il n'y avait pas juste un défi du prof qui doit s'organiser autrement, puis tout ça, puis rejoindre tous ses élèves. Il y a la famille est confinée, sont 3-4, ils ont 2 appareils, papa, maman, ils ont des meetings le matin et l'après-midi, ben, ça ne peut pas marcher, là. Il y a des situations qui ne peuvent pas fonctionner. Ça prend énormément de compassion encore, puis d'empathie, puis je dis, hey, moi, j'avais un élève, là, quand il ouvrait son micro, là, je ne sais pas pourquoi, là, on dirait que son petit frère le savait, là, il commençait à tourner autour de la table en criant. Oui, oui. Puis là, tu sais, le petit gars voulait me parler, tu sais, il s'ennuyait, là, pas capable de l'entendre. Je fais comme, attends. J'avais envie de dire, fais-y une jambette, ou je fais quelque chose. Mais c'est du scotch tape, quelque chose, là, tu sais, mais il y avait aussi cette difficulté-là. Mais c'est pas le cas là, dans ton cas, toi, et avec Lily. Là. Non, c'est ça. Que ça devait être calme quand tu y parlais. Là. Ben moi, je dirais que des fois, c'est drôle parce que ils sont à distance. Fait que des fois, ils sont dans un hôtel ou ils sont. Fait que c'est particulier pour eux autres aussi. Là, Madame était dans un hôtel? Ben oui, Lily, oui, des fois. Madame se fait servir le petit déjeuner, le dîner. Alors, il faudrait que vous demandiez à Lily, là, mais moi, je me souviens de Félix Alicia Mauger qui allait s'entraîner dans des monts parce que la vélocité de la balle de tennis n'était pas la même, puis au niveau de la quantité d'oxygène, oui, Félix, c'était quelque chose. Mais le décalage horaire, des fois, mon cellulaire, il sonnait à 3h du matin, mais il savait très bien que je ne répondais pas à ce temps. On est dévoué, mais maner des heures, hein? C'est ça. Mais c'est, on l'a dit, hein, il a fallu s'adapter, puis les jeunes aussi ont dû s'adapter. Fait que c'est un beau défi, c'est le fun, mais c'est tellement, les jeunes sont tellement le fun que c'est plaisant de travailler pour eux autres. C'est, même, je ne dirais pas mon boss, là, mais c'est pas une job, là, c'est une passion. On va attendre. Ben, tant mieux, mais ça n'empêche pas d'encaisser le chèque quand même. Il y a de quoi qui vient avec ça quand même. Oui, c'est ça. Hey, Joanne, continue ton excellent travail. Merci d'avoir été à l'émission. Et puis, comme je dis toujours, là, je le dis, je vais le dire à tous les invités, vous avez des projets, tu as des choses qui sont arrivées d'extraordinaire ou d'ordinaire, parce que de temps en temps, l'extraordinaire est aussi dans l'ordinaire. Hein. Ouais. Alors, dans les petits gestes, on fait la différence. Donc, tu ne te gênes pas, tu viens nous voir, puis on t'invite, puis on se fait une petite jasette. Parfait. Merci pour Joanne. Merci, Joanne. Bye, les gars. Bye. Ben, c'est trop passionnant, cette émission-là. Ça n'a pas de bon sens. Trop inspirant. Là. Je pense qu'il faut trouver des problèmes, Mathieu. Trouver des problèmes. Faut parler des problèmes. On ne parle pas des vrais problèmes, Mathieu. Puis là, est-ce que tu penses que... Vas-y, si tu veux me parler de tes problèmes, on t'écoute, Pierre. On parlait des vrais problèmes en éducation. Il me semble que je voulais Jean-Guy... Comment il s'appelait? Mongrain. Guy Mongrain. Jean-Luc. Jean-Luc Mongrain. Jean-Luc Mongrain. Hein? On va en parler des vraies affaires, en tout cas. Ça va être dans une autre émission que je suis en train de préparer. On va parler des vraies affaires. Tu seras invité, Mathieu. Hey, je te laisse aussi encore avec une autre invitée. Sonia Fizet. Sonia Fizet, et on y va après... Fizet, pardon. Pardon? Sonia Fizet, pardon. Sonia Fizet, et on y va après ceci. Bonsoir, Sonia. Bonsoir, Mathieu. Comment vas-tu? Ça va super bien.
Merci beaucoup de participer à l'émission. Donc, Sonia, tu es conseillère pédagogique au Récit. J'aimerais ça que tu parles un peu peut-être de ton parcours, que tu te présentes, puis on va parler du Récit, puis de la formation et tout ça. Bien, c'est ça. Dans le fond, moi, je suis enseignante depuis 34 ans maintenant. Alors, ma feuille de route est quand même plus longue que la moyenne. Mais je suis arrivée à l'époque où il n'y avait pas de job en éducation. Tu sais, c'est quelque chose que les gens maintenant ne peuvent pas s'imaginer. Hein. Mais, ben, maintenant, on parle d'une pénurie aussi présentement, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été plus difficile. Mais... Oui, ben, nous, il n'y en avait pas. Tandis que là, on manque de personnel, mais moi, il n'y avait pas d'emploi en éducation. Ah, il n'y avait pas d'emploi, OK. Non, il n'y avait pas d'emploi. Okay. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, j'ai un parcours assez atypique, ce qui a fait que j'ai enseigné au secondaire, les premières années de ma carrière en mathématiques et en sciences. Après ça, tu sais, dans ma passion et de vouloir faire plein d'innovations, j'ai décidé d'aller travailler en projet, puis je suis allée enseigner au préscolaire. Puis finalement, ben c'est ça, j'ai passé la majorité de ma carrière au primaire, au troisième cycle, puis j'ai vraiment eu la passion pour la technologie, puis j'ai développé ça, puis beaucoup dans l'apprentissage, justement autonome, hein, on parlait de ça tout à l'heure, et ça m'a amené dans le fond, à appliquer sur un poste de conseillère pédagogique. Donc, ça fait 6 ans maintenant que je travaille pour le Récit, 3 ans dans mon centre de service scolaire au centre de service scolaire de la capitale. Et maintenant, je suis prêtée pour le Récit de mathématiques, sciences et technologies. Puis, je dessers principalement les enseignants du primaire. Donc, pour le soutien en technologie. Donc, le Récit, là, c'est un acronyme, ça, le Récit. Est-ce que pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, ben dans le fond, c'est vraiment le réseau qui dessert les écoles en fait d'innovation technologique. Alors, on est vraiment là pour desservir, dans le fond, accompagner les enseignants, les conseillers pédagogiques pour les soutenir au niveau du numérique. Et bien sûr, depuis 5 ans, le plan d'action numérique et la compétence numérique qui est arrivée. Donc, c'est vraiment, puis une de nos plateformes, c'est ce que tu présentes, donc c'est le campus Récit où ça va soutenir, dans le fond, l'enseignement à distance, entre autres. Parfait. Puis là, sur des formations, là, il y en a beaucoup, là, des auto-formations. Puis là, tantôt, tu avais des félicitations juste avant là, de la part de Joanne pour dire ben j'ai appris, mais j'ai pas appris. J'ai appris par moi-même en auto-formation, mais parce qu'il y a une équipe incroyable, dans le fond, qui a déposé des auto-formations. Donc, comment ça fonctionne, ces auto-formations-là? Oui, bien, dans le fond, tu sais, les auto-formations, ça non plus, c'est pas obligé que la pandémie, hein, ça fait longtemps que c'est commencé à développer, puis l'idée, c'est vraiment de permettre justement aux enseignants, conseillers pédagogiques de développer leur expertise, donc de permettre un développement professionnel. C'est prévu pour être vraiment fait de façon asynchrone. Par contre, dans le fond, la pandémie a aussi accéléré hein, certains besoins, fait qu'on a réajusté certaines auto-formations fait qu'ils sont beaucoup classés par matière selon les besoins. Mais on s'est dit aussi que tu peux y aller. Ça pourrait permettre aussi aux conseillers pédagogiques, dans le fond, de dire, ben moi, je vais accompagner mes enseignants, je vais en réunir un groupe. Je pourrais le faire aussi de façon asynchrone. Et c'est intéressant aussi parce que parfois, on donne une formation, puis, tu sais, évidemment, les formations qu'on donne, on n'est pas... rarement capable de tout retenir ce qui était dans la formation. Fait que de dire aux gens après, ben voici, on vous a donné une formation sur tel sujet, ben on vous présente l'auto-formation. Il y a justement, un peu comme Joanne parlait tout à l'heure, des vidéos qui sont dedans, tu sais, un peu d'interactivité, un peu de retour pour permettre aux gens. Fait qu'une fois que tu as fini la formation, ben tu sais que tu peux référer à des documents qui sont là en référence. Donc, tu peux y retourner, puis ça te fait une base. Puis, par exemple, les vidéos, ben on peut les réutiliser aussi auprès de ses élèves pour pouvoir poursuivre, dans le fond, fait que ça nous donne du matériel qui est prêt pour, dans le fond, permettre aux enseignants de travailler en classe ou même à distance pour les présenter aux élèves. Je ne sais pas, tu avais préparé aussi un autre support visuel là, pour parler peut-être de l'espace créatif virtuel. Je ne sais pas si Manon, Pierre, alias Manon, si tu peux peser sur le piton pour montrer un petit peu... Oui, bien, dans le fond, tu sais, on a dû s'adapter et faire preuve d'innovation, nous aussi, comme conseil pédagogique, hein, les demandes étaient nombreuses. Avant la pandémie, on travaillait beaucoup en présentiel, on se déplaçait dans les centres de services scolaires pour donner des formations. Et évidemment, lors de la pandémie, tout ça s'est arrêté. Mais les gens, eux, bien, certains avaient beaucoup de temps parce que les premières semaines, il y en a qui ont été en arrêt complet. Les gens se sont mis à dire, bien, on aimerait ça en profiter pour se former. Puis ça, c'est vraiment, il faut que je lève mon chapeau à tous les enseignants qui ont décidé de prendre ce temps-là et de se former.
Puis ils ont eu besoin aussi, après ça, ils ont compris que ça ne serait peut-être pas juste un arrêt de 2-3 semaines. Plusieurs ont fait un virage à vitesse grand V. Puis nous aussi, là, ça a été de dire ben, qu'est-ce que les gens ont besoin d'être à l'écoute des demandes, puis de monter des auto-formations, parce que c'est vraiment la façon qu'on trouvait le plus pratique. On a déjà une plateforme qui nous permettait de faire ça. Et comme je le disais, on donnait beaucoup de formations en présentiel, puis là, on s'est bien donné des formations de façon à distance. Il y a des outils que ça va mieux que d'autres. Et on a un peu innové en disant ben, comment on pourrait faire pour donner des formations à des gens, mais pas nécessairement toujours des formations que nous, on prévoit, mais répondre à leurs besoins. Donc, entre autres, pour le groupe de récit maths, sciences, technologies, ben, à tous les mercredis matin, on est au bout du fil. Donc, on se met vraiment dans un environnement qu'on a appelé l'espace créatif virtuel. Parce que depuis quelques années, on donnait beaucoup de formations, entre autres en robotique, en programmation, tout ce qui va dans les laboratoires créatifs. Puis là, ben, avec la pandémie, les robots ont été mis en quarantaine, on ne pouvait plus donner ce genre de formation-là. Et les gens se viennent, puis dans le fond, qui viennent pendant 5 minutes, 15 minutes, une période libre, ou même, ils sont en classe avec leurs élèves, ils essayent quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ben, on est là, les gens se branchent et on répond à leurs besoins. Donc, on est une petite équipe. Et que ça, ben, ça démontre que ça, c'est une façon de donner de la formation, puis à la limite, même quand les gens sont en classe avec leurs élèves, parce que ça leur permet d'oser hein, essayer quelque chose et il y a un soutien. Fait que ça aide dans notre niveau de confiance de dire ben, si je suis mal pris, je vais avoir quelqu'un qui va me dépanner. Alors, c'est vraiment une façon que nous, on a innové pour donner de la formation à distance. Puis là, tu sais, des fois, on va dire aux gens ben, prends ta caméra, montre-moi là ton robot, comment il est branché, ou montre-moi telle affaire, partage-moi ton écran. Et que ça va tout être, dans le fond, on a voulu se trouver un peu des façons de trouver comment on peut être un peu plus imaginatif, quels sont les outils qui nous permettent de faire la promotion puis de soutenir les enseignants, même s'ils sont à distance, ou les conseillers pédagogiques, pour leur donner la meilleure formation possible. Puis nous aussi, on a été obligés d'apprendre à vitesse grand V. Hein? Pierre le disait tantôt, Teams a multiplié ses options, puis toutes les plateformes. Donc, tu sais, ça a été toujours, on donnait des formations, mais nous aussi, là, c'était toujours, on se réajuste. C'est quoi la nouveauté des différents outils? Fait que je pense que ça a bousculé tout le monde, mais ce qui est le plus beau, c'est que ça, tu sais, on a fait un pas en avant, puis ça nous a forcé. Mais à quelque part, on a tous appris, grandi, puis c'est des situations qui aident tout le monde dans la vie courante, hein. Alors, tantôt, je disais, oui, on a parlé d'élèves comme Lily qui font du sport puis qui ont besoin, mais il y a aussi des élèves qui sont malades, qui ne peuvent pas venir à l'école. Là, on pense à ceux de la pandémie, mais même nos opérations, t'en sais quelque chose, hein, Mathieu? Alors, tout ça pour dire qu'à quelque part, cet enseignement à distance-là, il est utile dans plein de circonstances et je pense que c'est des outils qu'on veut mettre à la disposition dans le fond des membres du personnel scolaire. On a des techniciens en laboratoire ou secondaire qui viennent suivre nos formations. Donc, c'est vraiment une offre. Il y a plus de 100 auto-formations qui sont offertes sur le campus ici. Il y en a qui ont été développées puis qui se font mieux en auto-formation. Mais, tu sais, on pense à des outils. Là, Sonia, je t'arrête là parce que c'est incroyable. Là, dans le fond, juste pour être sûr là, que monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute présentement, ces ressources-là, pour les personnes qui ne connaissent pas Récit puis Campus Récit, donc pour avoir un soutien en synchrone, c'est ça que tu disais, l'espace créatif virtuel, donc tous les mercredis matin, primaire, secondaire, peu importe la discipline, FGA, vous voulez essayer, FP. Formation générale des adultes, formation professionnelle, les enseignantes, enseignants qui ont une question, ils veulent tester quelque chose sur le plan techno, ils ont une question, c'est gratuit, ils peuvent aller là puis avoir un accompagnement synchrone. Ouais. Et les personnes qui veulent aussi en asynchrone apprendre, ben là, tu t'as dit, il y a plus de 100 auto-formations. Moi, j'en ai fait quelques-unes de ces auto-formations-là dans la dernière année, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Là. On retrouve autant des vidéos, des textes, des questions de réflexion, des petits défis. Je vais nuancer, par exemple, ce que tu as dit, Mathieu, c'est-à-dire que le service maths, sciences, technologies est en ligne le mercredi matin, mais j'ai plusieurs de mes collègues, je pense au service des arts, ils sont là le mardi, la FGA, ils ont un horaire, les gens de la FAB, donc les différents services de récit sont à des moments différents dans la semaine, puis on dit tout le temps aux gens chez nous en MST, si jamais le mercredi matin, ça ne vous convient pas, bien vous nous écrivez, équipe@récitmst.qc.ca, puis on va prendre rendez-vous avec vous.
On donne moins de formation dans le fond MST en pour, déplacement. Maths sciences techno, là. Oui, mais il y en a dans d'autres. Ouais. Alors, et on prend rendez-vous avec les gens, puis ouvre ta caméra, montre-nous ce que tu veux faire. Mais tu sais, c'est vraiment l'idée d'arriver à se dire un peu comme tout à l'heure, Joanne disait, hein, créer le lien. Fait qu'on dit aux gens, ben oui, il y a un service de clé en main, puis d'auto-formation toute prête, de cours prêts, mais si vous êtes bloqué à n'importe quel moment dans l'auto-formation, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, venez nous voir, écrivez-nous, et on va se faire un devoir de vous répondre. On est une petite équipe, mais vraiment, on est là pour répondre aux besoins des gens, même s'ils sont à distance, qui mettent un nom sur un visage, puis qu'on puisse peut-être, dans le fond, être utile et accompagner les gens dans notre mandat. Et là, je me permets une autre question. Il y a une histoire de badge, dans le fond. Quand on fait ces formations-là, qui sont super bien faites, comme je le disais, on peut écrire à l'équipe. Moi, je l'ai fait des fois, écrire à l'équipe, puis tout de suite, on a des réponses. Là, c'est vraiment, honnêtement, je salue votre équipe là, qui fait du très bon boulot. Et là, on a un badge à la fin. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de c'est quoi ces badges-là qu'on reçoit? Bien, dans le fond, pour chacune des auto-formations, on peut aller jusqu'à 5 badges. Le premier badge, c'est le badge découverte. Donc, souvent, ça consiste à faire un peu de lecture, écouter quelques vidéos. Par la suite, on va avoir un badge d'appropriation. Fait qu'on va y aller sous forme de défi. Fait qu'on va vous proposer des petits défis qui sont documentés. Puis, on va vous demander souvent de reproduire un petit défi, donner quelques commentaires sur des appropriations. Puis, par la suite, on peut avoir des badges de conception d'activité, d'expérimentation, parce que le but, c'est que les enseignants amènent ça en classe. Et aussi, dans le fond, c'est vraiment des badges pour voir conception, réalisation, expérimentation, pardon. Il m'en manque un, c'est pour ça que j'ai un petit blanc. C'est pas grave, je sais pas pourquoi. Voilà, tout ça pour dire jusqu'à 5 badges, dépendamment des auto-formations. Et c'est vraiment dans l'idée qu'une fois que les gens ont déposé un travail, hein, on vous demande une petite preuve, bien, on alloue des badges pour... et à chaque badge est associé un nombre de minutes ou un nombre d'heures qui fait que les gens, dans le fond, ont une reconnaissance. Et maintenant, on sait que le ministre nous demande d'avoir un 30 heures sur 2 ans de développement professionnel. Bien, toutes ces badges-là, donc les auto-formations, c'est une façon de cumuler des heures de formation pour le développement professionnel. Donc, c'est le fun parce que c'est une reconnaissance. Fait que les gens qui en font, ben, tu sais, il y a une reconnaissance, puis il y a une façon de prouver, dans le fond, que les gens sont en développement professionnel. Donc, Joanne Proulx, comme tantôt, non seulement vous lui sauvez la vie au moment où elle a besoin d'apprendre ça parce qu'elle suit une auto-formation, mais en plus, c'est reconnu, elle peut montrer cette preuve-là, dire « j'ai fait tel badge en programmation, en robotique, on a vu tantôt évaluer différemment, donc il y en a là, plus de 100, là, comme tu disais, et c'est reconnu, dans le fond, comme des heures de développement professionnel là, qu'on peut choisir à la carte, dans le fond. Là. C'est un peu un buffet presque à volonté. Là. Oui, c'est ça. Tantôt, j'ai oublié le dernier badge, c'est contribution. Donc, quelqu'un qui a expérimenté, il peut apporter une activité qu'il a modifiée, dans le fond, puis qu'il va venir déposer dans un but de partager à la communauté. Fait que ça, c'est le fun aussi. Hein? Mm. C'est vraiment dans le mandat du récit. On essaye de contribuer, de diffuser, de partager hein, dans une idée de libre de droit. On se met une petite licence, on reconnaît qui a fait quoi, puis c'est vraiment une idée de partage et de collaboration qui est vraiment dans l'esprit de la mission du récit. Oui, tout à fait. Pierre? J'attends ta question, Pierre. Non, mais Sonia, moi aussi, je suis conseiller pédagogique, puis on s'est rendu compte, bon, avec la pandémie, les formations en présence, on oubliait ça. Est-ce que, puis je me suis rendu compte que, tu sais, pour donner des formations en technologie, dans ma tête, ça prend 3 choses. Ça prend les outils nécessaires, là, qui fonctionnent. Donc, un ordi qui ouvre, là. Puis un plan B. Qui ouvre pendant 20 minutes, c'est trop long, là. Tu sais, je veux dire, donc, des outils technologiques adéquats. Ça prend une formation, mais ça prend aussi et surtout de l'accompagnement. Parce que j'en ai suivi des formations de 2 heures, puis après ça, je me retrouve tout seul dans ma classe, ça finit là, puis ben, bouf, tu sais, on a bien trouvé ça le fun. Est-ce que tu trouves ça difficile, ce bout-là de l'accompagnement après, pour faire un suivi, puis qu'il y ait des ancrages là, de fait, là?
Oui, ben c'est sûr que c'est difficile, mais j'avoue que, tu sais, au récit, il y a comme plusieurs paliers, là, mais souvent, l'accompagnement va être donné aux gens qui sont au récit locaux, donc qui sont attachés au centre de services scolaires. Tandis que moi, je suis, oui, c'est ça, Pierre en état, tandis que moi, j'agis comme récit national, donc à ce moment-là, on est spécialisé par matière. Fait que souvent, nous, on va agir à titre d'expert, on va venir donner une formation, puis on va exiger, hein, demander que le CP, qu'il y ait un CP du centre de services scolaires qui soit là pour que justement ils puissent faire le suivi. C'est sûr que les badges de contribution sont là pour un peu stimuler ça. On va garder contact avec les gens, mais souvent, nous, notre premier mandat, c'est plus de donner la formation. L'accompagnement est fait souvent un petit peu plus ou en collaboration du moins avec le récit Les local. locaux. Ben, merci beaucoup, Sophie, mon Dieu, Sonia. Et là, Mathieu, tu m'as envoyé un lien. Oui, donc. Je le partage là présentement en partage d'écran ou Non, partager mais dans. tu peux peut-être le partager. En fait, on va le mettre, je pense, en lien avec la vidéo. On va le mettre sur le site de Ludoka. Sonia avait préparé, dans le fond, des ressources là, dont elle vient de parler. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le récit et tout ça, elle a préparé un petit quelque Bien, chose là, pour que ça on soit va le facile à présenter. retrouver. On va le Ben, dans présenter le comme fond, ça toutes les fois rapidement. qu'on donne une formation, qu'on fait des interventions dans des colloques, qu'on fait un article, dans mon cas, sur le site du récit MST. Donc, j'ai fait un petit résumé, puis j'ai mis votre pub, hein, qui vous êtes donc sorti, puis les Oh! liens. Donc, tu sais, les gens, dans le fond, un peu comme je disais tantôt, on va à une auto-formation, on sort de là, on a une formation, mais toutes les promotions, toutes les présentations qu'on fait sont publiées sur le site du récit, fait que les gens peuvent y retourner. On s'assure de les mettre en format slide et en format PowerPoint pour que les gens, selon les différents centres de services scolaires, puissent avoir accès. Je peux aussi dire que, tu sais, bon, moi, je descends les centres de services scolaires publics de la province de Québec, mais il y a des gens aussi au récit qui sont là pour les écoles privées, puis il y en a qui sont là pour le secteur anglophone. Et tu sais, il y a vraiment toute une équipe qui est là pour toutes les écoles et ce sont des services gratuits parce que c'est financé par le ministère. Dans le fond, nous, on a des postes et on est libérés de nos postes d'enseignement ou de conseiller pédagogique pour agir une année à la fois pour le récit. Et, on vise à poursuivre le plan d'action numérique au-delà du 5 ans qui a été annoncé par le ministre. Donc, le lien sera sur le site ludoka.ca/sortie-classe. Et Sonia, je vois le temps avancer. Il faut absolument qu'on continue. Merci Sonia de ta présence. Merci Et beaucoup. puis, on se revoit bientôt. Merci de l'invitation. À la Merci. prochaine. Bye-bye. Alors, Mathieu, sans plus tarder, on continue avec ta dernière invitée. Et tout de suite après ceci. Brou et Boutillier met au service de la communauté scolaire et de la petite enfance sa passion de la pédagogie et son expertise technique pour vous présenter des outils qui contribuent au développement global des enfants. La nouvelle plateforme bbpédago.ca propose du contenu exclusif développé par des spécialistes des domaines disciplinaires sous forme de vidéos. Vous y trouverez une foule de capsules gratuites sur des sujets pédagogiques pertinents et du contenu premium pour vos besoins en formation continue. bbpédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpédago.ca. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Mathieu. Merci de participer à l'émission Sortie de classe. Écoute, on a eu la présentation, une entrevue dans le fond, d'abord avec une élève, ensuite par une enseignante, une conseillère pédagogique. Puis là, on se disait, faut compléter ça avec le côté de la recherche. Donc on t'a invité comme professeur, qui était ma collègue directement donc, à l'Université du Québec en Outaouais. Est-ce que tu veux te présenter un peu, parler de ton parcours? Ben oui, avec plaisir. Donc, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais depuis 2007 déjà. Et ben, je suis comme toi rattachée au département des sciences de l'éducation, campus de Gatineau, alors que tout le monde sait que tu es au campus de Saint-Jérôme. Et puis, ben, par souci de transparence aussi, je peux dire que non seulement je suis ta collègue, mais qu'on fait des recherches ensemble sur la formation à distance. Et voilà. Donc, oui, ça, on travaille ensemble depuis le début de la pandémie, en fait, sur on a un petit peu saisi l'occasion en disant, bon, c'est comme ça qu'on fonctionne, les chercheurs, hein, on se pose des questions, on ne répond pas toujours à nos questions, mais on cherche. Et on s'est dit, bon, mais voilà une belle occasion, en fait, avec ce passage obligé-là de formation à distance. Et
Je sais que nous, dans nos discussions, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup appuyé sur l'idée de présence à distance. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de cette idée-là de créer de la présence à distance. Oui, bien en fait, pour parler de la présence à distance puis expliquer pourquoi c'est important la présence à distance, faut d'abord que je revienne un petit peu sur le sens des mots. Donc moi, ce qui m'a frappé quand la pandémie est arrivée, c'est comment des nouveaux mots ont fait leur apparition alors qu'on n'en avait peut-être pas besoin. Donc ça m'a beaucoup chicoté. Je vais expliquer ce que je veux dire. Puis là, je veux pas que les gens partent en peur puis se sentent mal d'utiliser les mots qui sont à la mode. Là, c'est pas du tout ça le point de mon discours ce soir. Mais c'est juste quand on s'arrête à la création de mots puis au sens des mots, c'est quand même intéressant. Puis bon, ceux qui me connaissent savent que j'ai un bagage en linguistique, donc je peux vraiment pas m'empêcher de passer par là pour parler de la présence à distance. Donc moi, avant la pandémie puis le confinement, j'avais jamais entendu les expressions présentielles et non présentielles. Je sais pas pour toi, Mathieu, mais moi, j'avais jamais entendu ces mots-là. Puis j'ai demandé à quelques personnes de mon entourage, mais c'est quoi la différence entre enseignement en non présentiel puis enseignement à distance? Je me suis dit, ben s'il y a une différence, il faut que tu me l'expliques parce que moi, je sais déjà c'est quoi l'enseignement à distance. Puis là, certaines personnes m'ont expliqué que ben il fallait faire la différence entre le vrai enseignement à distance et ce qu'on demandait alors aux enseignants, donc de faire de l'enseignement à distance d'urgence, c'est-à-dire donner des cours à distance sans grande préparation ou connaissance sur ce mode d'enseignement-là. J'ai dit, bon, OK, ça peut être ça la différence. D'autres personnes m'ont expliqué que c'était un petit peu plus complexe et que le choix de mots était politique. Bon, moi, j'aime pas ça faire de la politique en public. Je préfère garder ça dans l'intimité. Mais ces personnes-là m'expliquaient que si on utilisait l'expression « enseignement à distance » ou « formation à distance », bien, ça aurait pu créer une espèce de précédent sur lequel les administrateurs auraient pu s'appuyer ensuite pour imposer aux enseignants et aux enseignantes de donner des cours à distance, mais sans les dédommager ou de leur donner les bonnes conditions pour le faire. Ouf, là, je trouvais que ça commençait à être compliqué. En fait, l'expression « enseignement à distance », quand on l'apprend comme elle est, bien, ça signifie simplement que les personnes enseignantes et étudiantes ne sont pas physiquement en présence les unes des autres. Donc, je pense qu'il y a personne... géographique. Une distance géographique ou physique, tout simplement. Mm-hmm. Puis même le grand dictionnaire terminologique le dit. Donc, pas physiquement, ça veut dire pas en personne. Donc, vous me voyez peut-être venir. Pour moi, l'enseignement à distance s'oppose à l'enseignement en personne. Donc, présentiel, non présentiel, si vous voulez. Mais pour moi, c'était pas nécessaire de peut-être créer ces mots-là. Donc, l'enseignement à distance, c'est ça, s'oppose à l'enseignement en personne. Ou en présentiel, puis je vais revenir dans un instant sur ce mot-là, juste pour faire une petite parenthèse aussi sur une autre expression qu'on entend beaucoup, qui est le virtuel. Donc, l'école virtuelle, l'enseignement virtuel, l'apprentissage virtuel. Je ne sais pas à quoi tu penses, toi, Mathieu, quand tu entends ce mot-là, virtuel, mais moi, quand j'entends le mot virtuel, je pense à la réalité virtuelle. Je pense à quelque chose qui est non réel, tu sais, comme dans le film La Matrice. À mon sens, on ne peut pas vraiment qualifier un enseignement, une formation ou même une école de virtuel, à moins que ça soit dans le monde réel quand même. À moins d'être dans un monde qui n'est pas réel, parce que l'adjectif virtuel, d'un point de vue purement linguistique, ben, s'oppose à réel. Donc, à moins de vouloir insulter quelqu'un, je pense qu'il est préférable d'éviter ce mot-là. C'est moins grave quand on dit école virtuelle, mais enseignant virtuel, ça ne marche pas vraiment. Donc, c'est finalement très simple. On avait déjà l'expression « enseignement à distance » qui s'oppose à l'enseignement en personne. Quant à l'adjectif « présentiel », ça va m'amener à parler de la présence à distance, bien, ce mot-là, « présentiel », moi, m'a toujours fait penser à « présence ». Puis c'est pas étonnant puisque le mot « présentiel » vient du mot « présence ». Le problème que j'ai, moi, conceptuellement avec ce mot-là, c'est que le mot « présentiel », lorsqu'on l'oppose à « non présentiel », laisse entendre que la présence n'est pas possible en non présentiel. Mm-hmm. C'est un problème parce que la présence est possible à distance. En ce moment, je suis à distance, hein? Oui. Puis je suis présente quand même. Comment on fait pour créer de la présence à distance? Bien, en fait, je pense qu'il faut... c'est un petit peu comme Joanne expliquait tout à l'heure dans son segment. Elle disait que
Elle s'arrangeait pour faire en sorte que les étudiants allaient savoir qu'elle s'en faisait pour eux. Donc, les exemples qu'elle a donnés tout à l'heure, elle disait que, par exemple, elle mettait une image de son visage sur sa plateforme d'enseignement, elle faisait des petits mots plus personnels parfois à ses étudiants. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la présence socio-affective. Donc, c'est lorsque l'enseignant et les étudiants vont interagir ensemble de manière à créer un climat socio-affectif qui va être favorable aux discussions, aux apprentissages. Donc, c'est lorsqu'on dit hey, bravo pour ta suggestion, c'est très intéressant. Donc, pour créer de la présence à distance, il faut être conscient que ces éléments-là, elle disait aussi qu'elle utilisait des émojis, ben que ces éléments-là sont importants et vont contribuer à créer ce sentiment-là de présence. Il faut également être conscient que ça prend d'autres types de présence, donc la présence qui est dite pédagogique, donc c'est toutes les activités qui vont entourer la coordination des activités, l'animation des discussions, donc cette présence-là va soutenir la présence socio-affective, et l'autre type de présence qui est la présence socio-cognitive, donc c'est lorsque les personnes vont travailler ensemble, conjointement, à résoudre une situation problématique. Donc lorsque Joanne tout à l'heure disait... Bien, moi, lorsque je fais de la rétroaction, par exemple, à Lily ou à une autre élève, bien, je vais m'assurer de lui expliquer comment elle peut améliorer son travail. Donc, ça contribue à la présence socio-cognitive. Là, les enseignants qui nous écoutent en ce moment, ils pensent probablement, bien, oui, mais je fais déjà tout ça, moi, lorsque je suis en classe. Bien oui, moi, je l'ai toujours dit, quand on est un bon prof en classe, on va être un bon prof à distance aussi. La différence ou ce qui a peut-être créé un malaise sur le coup lorsqu'on a dû rapidement se retourner de côté pour enseigner à distance, c'est qu'on n'avait peut-être pas réfléchi justement à qu'est-ce qu'on faisait pour être un bon enseignant. Donc, voilà les éléments sur lesquels on pourrait réfléchir lorsqu'on se lance en enseignement à distance. Donc, comment je fais, moi, lorsque je veux expliquer aux étudiants comment faire telle chose? Comment je fais pour leur donner des conseils pour qu'ils s'améliorent? Puis, comment je fais pour créer un climat chaleureux dans ma classe? Donc, en se questionnant sur ces éléments-là, on est capable de les prendre et les transposer à distance, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on peut créer de la présence à distance. Et ça, on a travaillé, comme tu l'as dit, on est sur un projet de recherche ensemble, puis on s'est vraiment intéressé. C'est pour ça que j'ai insisté tantôt sur le lien dont on parlait, parce que dans notre projet de recherche, on s'est intéressé au niveau universitaire. Nous, dans notre cas, là, on a été regardé pour les étudiants universitaires, mais on s'est intéressé au maintien ou pas de la relation pédagogique, puis de l'influence de l'enseignement à distance en lien avec la relation pédagogique. Et on s'est. Un des constats, en fait, de notre recherche, c'est que les interactions jouaient pour beaucoup. Hein, quand on leur demandait, près d'une centaine d'enseignantes et enseignants universitaires, au niveau des interactions, ce qui avait changé, parce qu'il y en a qui notaient pas de changement, il y en a qui notaient des changements, puis c'est ces adaptations-là, en fait, comme tu disais, oui, un bon prof en présence risque d'être un bon prof à distance, mais ce n'est pas un copier-coller. Il y a une transposition qui n'est pas directe, en fait. Il y a des adaptations à faire, puis on a vu que, il y en a qui sont très bien arrivés, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça demande une réflexion, là, pour justement Exact. créer de la présence à distance, là. Exactement, tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai que nos recherches font ressortir l'importance des interactions dans le milieu universitaire, mais je pense que ça se transpose très facilement là, au primaire, au secondaire ou dans d'autres contextes éducatifs, parce qu'en réalité, ce qu'on réalise aussi dans notre recherche, puis ça, je t'en avais pas encore parlé, mais c'est que c'est à quel point aux yeux des enseignants aussi, les interactions sont importantes, parce que ce qu'ils nous disent finalement, c'est quand j'ai moins d'interactions, puis quand les interactions me semblent être de moins bonne qualité, ben j'ai l'impression que mon cours va pas bien, j'ai l'impression de pas être un bon prof, puis j'ai l'impression que mes étudiants, dans ce cas-là, apprennent pas, puis veulent pas apprendre. Donc, c'est pas juste important pour les élèves puis pour les étudiants que le prof soit présent puis qu'il favorise les interactions. Ça va dans les deux sens. Puis ça, c'est vraiment important à mon avis parce que un prof, on le sait, on est des profs, on est des enseignants, on va être à notre meilleur. Lorsqu'on va se sentir à notre meilleur, puis lorsqu'on réalise, c'est que justement les interactions, que c'est tout type d'interaction, hein, ça peut être un courriel qui est envoyé après un cours, ça peut être des interactions qui se déroulent en direct dans la classe, ça peut être des interactions non verbales, si on a découvert ça aussi, mais que toutes ces interactions-là concouraient finalement à créer de la présence.││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 ����─││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 
et à faire en sorte que l'enseignement et l'apprentissage vont mieux se dérouler. Et là, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, comme chercheur formateur, on se pose des questions. Des fois, on arrive à trouver des réponses. Des fois, ça amène juste plus de questions. Là, à l'issue de, après 2 ans de travaux de recherche là, sur la formation à distance, est-ce que y a des nouvelles questions pour toi qui ont émergé? Vers quoi tu t'enlignes là, dans des recherches futures en lien avec la formation ou l'enseignement à distance? Ben, écoute, moi, une des questions que je me pose, puis en fait, tu l'as posée à Lily tantôt, la question, tu lui as demandé, mais est-ce que tu penses que tous les élèves du secondaire, finalement, pourraient eux aussi réussir hein, avec l'école à distance? Puis elle a dit non, je pense pas. Moi, je me pose cette question-là aussi, parce que des études sont sorties récemment, okay, dont une en particulier là, qui a piqué ma curiosité, là, qui a été rédigée par l'agence Science Presse, qui une étude qui, à partir d'autres études, va conclure que finalement, l'enseignement à distance aurait un impact négatif hein, sur l'apprentissage oui. chez les élèves, donc, parce que les résultats des élèves aux examens vont être moins bons en lecture, en maths et en sciences notamment, donc autant au primaire qu'au secondaire. Fait que là, moi, ce que je me demande en voyant un résultat ou une interprétation comme celle-là, c'est oui, mais est-ce qu'on peut généraliser à tous les élèves, à tous les étudiants lorsqu'on voit ces résultats-là? Est-ce que ça veut dire que pour certains étudiants, au contraire, ça a mieux fonctionné? Et si oui, ben les questions les plus importantes, à mon avis, à se poser, c'est lorsque ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne? Quels sont les éléments qui font en sorte que pour certains élèves, l'enseignement ou l'apprentissage à distance va bien fonctionner? Puis une fois qu'on a découvert ça, ben il faut miser sur ces éléments-là pour faire en sorte que lors de la prochaine catastrophe, on soit un petit peu mieux préparé. Et pour l'université ou pour des situations comme celle de Lily où l'école à distance est pratiquement obligatoire, ben comment faire en sorte qu'on puisse améliorer encore nos pratiques? Donc, oui, tout à fait. Donc, autant de faire ressortir des éléments, disons, forts, des facteurs de protection là, qui font que ça fonctionne bien, que d'identifier ce qui fonctionne moins bien, les espèces de facteurs de risque là, qu'on pourrait appeler, que là, on veut éviter, qu'on veut éliminer de l'enseignement à distance. Là. OK. C'est les fameuses... Ben là, c'est les études et les recherches arrivent parce qu'il n'y en avait pas tant. On n'en avait pas des tonnes quand même. Mais pas ici, évidemment, mais aux États-Unis, il y avait quand même déjà plusieurs études là, dans certaines écoles à distance qui avaient été conduites. Il faut dire, on a dit tantôt d'entrée de jeu là, que c'était pas nouveau. Tu l'as écrit toi-même, Pierre, en faisant la publicité. C'est pas nouveau. Là. Je rappelle, l'Université TELUC là, a été fondée en 1972 au Québec. Depuis ce temps-là, qu'elle offre à distance en continu plus de 400 cours dans 125 programmes d'études auprès de 20 000 étudiants par année. Là. Donc ça, c'est c'est pas nouveau. Ça se fait et au niveau de la TELUC, ça fait quand même plusieurs années qu'ils documentent en fait ces processus-là. Mais pour beaucoup de chercheurs comme Marie-Josée et moi, bien, c'est quand même nouveau pour nous comme intérêt de recherche de s'appuyer là-dessus. Puis oui, tu as raison de dire qu'il y a une émergence de résultats de recherche qui sortent qui ne sont pas tous cohérents, hein, puis ça fait, c'est le propre aussi de la recherche, hein, des fois, parce qu'ils sont des fois faits dans des contextes différents, avec des méthodologies différentes, pour répondre à des questions différentes aussi. Ouais. Donc, ils ne convergent pas tous, mais ces résultats-là, c'est intéressant d'amener comme nouveaux questionnements, puis de faire avancer des nouvelles questions pour avancer. Mais il faut comprendre aussi que, pour certains élèves, ça fonctionne. Mm-hmm. Donc, pourquoi ne pas continuer? Et pourquoi... ne pas offrir ce service-là à des jeunes qui peuvent faire autre chose en attendant, qui pourraient travailler, qui peuvent voyager, qui peuvent faire ce qu'ils ont le goût de faire, comme Lily d'ailleurs. Hey Marie-Josée, écoute, c'est jamais assez long, mon affaire, cette émission-là. Non, mais tu sais, on essaie de faire 1 heure, puis je sais pas comment ils font à la télé pour couper ça. Comme couper mes invités, la misère avec cette bout-là. Tu sais, si j'avais quelqu'un qui gérait, il te reste 3, 2, 1 avant la pub, là, je dirais. Ah, ce serait trop stressant, Pierre. Hey, là,
c'est ça. Fait que, ben, en même temps, on dépasse tout le temps. Mais Marie-Josée, écoute, merci pour ta présence. C'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu as apporté comme point de vue. On a toujours, on aime ça, apporter un point de vue de la recherche. Je vais inviter les invités. J'ai invité mes invités. à venir nous rejoindre. Là, Lily, boy, qu'elle arrive à temps, la petite Moses. Elle était là, puis je la voyais se promener. Je n'étais pas sûr que je vais la faire revenir. Alors, mesdames, merci de cette présence. Là, je vous laisse 4 secondes et quart. Il est moins quart, là, OK, à 46,5. On arrête tout ça. Je vous laisse 4 secondes et quart. On commence avec... Lily, t'aurais-tu un petit mot de fin à nous donner? Ton micro, Lily. Ouvre ton micro. Ah, ça, c'est... Ça fait partie de l'enseignement à distance. Ça fait partie de l'enseignement à distance. Vas-y. Assez représentatif de ce qu'on est dernièrement. Je veux vous remercier de m'avoir invité vraiment pour faire l'émission. Là. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, comme vous dites, il n'y en a pas d'émission consacrée à l'éducation. Là. Fait, un gros merci, vraiment. Là. Merci beaucoup, Lily. Joanne? Ben merci aussi pour l'invitation. Lily, je te le dis encore, je suis fière de toi, lâche pas. Puis merci pour l'invitation, vous êtes vraiment une belle équipe, puis c'est ça, c'est vraiment le fun. Excellent, merci beaucoup, Joanne. Sonia? Moi, je pense qu'on vient juste de prouver avec tout ça que je pense que là, on est tous capables d'adaptation. Puis je pense qu'il y a de l'espoir face à d'autres choses. Alors, utilisons le numérique avec son plein potentiel, avec ses avantages et ses limites. Alors, je vous remercie et j'espère que ça va inspirer d'autres personnes. Elle n'est pas capable de faire 104 secondes. Merci beaucoup, Sonia, de ta présence. C'est une blague. Merci beaucoup, Sonia, de ta présence. Marie-Josée? Oui, moi, je veux dire aux enseignants et aux enseignantes de continuer à vous faire confiance. Si vous êtes un bon prof en présence, vous pouvez être un bon prof à distance aussi. Puis on oublie souvent d'avoir du plaisir, hein? C'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas avoir du fun, faire des niaiseries, peut-être faire des petites vidéos. Ben oui, TikTok. T'en es la preuve vivante, Pierre. Faire des petites vidéos TikTok avec nos élèves. Mathieu, dernier mot? Ben oui, un peu comme je l'ai dit tantôt, là, mais je félicite pour la résilience, la collaboration. Il y a plein de gens qui se sont relevés les manches, puis je pense qu'il faut continuer de le faire. Puis je pense que c'est vraiment... Quand on écoute et qu'on travaille tout le monde ensemble, tous les intervenants en lien avec l'éducation, ce n'est pas la responsabilité d'un seul groupe de personnes, mais je pense que quand tout le monde s'y met, ben, on est capable de relever des défis comme on l'a fait depuis 2 ans. Il ne faut pas oublier non plus de se remettre en question, d'être capable de débattre, de dépersonnaliser aussi nos opinions. Hein, de temps en temps, on a des idées, dépersonnaliser les idées pour que l'idée devienne l'idée de tout le monde. Merci beaucoup, tout le monde. Vous êtes vraiment incroyables. Et puis, on partage la vidéo maintenant sur tous nos réseaux pour qu'il y ait des millions de vues comme à toutes les semaines. C'est dans ma tête ça, que ça se passe encore. Merci beaucoup, tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye-bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye.